Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Joue avec moi, Apps and Games. Et donc aujourd'hui, on est de nouveau dans le jeu Cooking Fever. Donc voilà, on a déjà commencé à y jouer, à découvrir un petit peu comment ça fonctionne. On a fait plusieurs burgers, on a réussi donc à débloquer du matériel, donc on a acheté du nouveau. Voilà, donc on va vendre des burgers et des hot dogs. Voilà, donc c'est parti, donc on démarre une nouvelle journée de travail. Il faut servir bien sûr les clients au plus vite. Là, le hamburger, là. Ah là là, on a les clients qui commencent à s'impatienter. Bon, et bon, on a un qui est parti. Bon, bah, ils s'en vont tous. Aïe aïe aïe, donc c'est une journée catastrophique. Qu'est-ce que j'ai fait de pas bon, je ne sais pas. Voilà, donc là on peut mettre un peu de ketchup. Voilà. Et voilà pour le client ici. Donc hop. Hot dog. Ouais, donc on répète à peu près les mêmes actions pendant la journée. Et le but c'est d'être vraiment rapide pour satisfaire les clients, pour pas qu'ils s'en aillent. Hmm.
Donc là, je pense que j'ai accompli le niveau, donc c'est bon. C'est mieux. Il faut éviter quand même de tout brûler aussi. Voilà. C'est bien mieux d'avoir plus de place pour stocker, pour pouvoir faire plus de choses également. Voilà, hein, ça aide pas mal. Ça nous permet d'être beaucoup plus efficace. On peut mettre du coup après une fois que c'est cuit sur le réchaud. Et voilà, donc là j'ai atteint le niveau. Mmm.
Et voilà. Ok, donc du coup, bon, on a accompli plusieurs niveaux, donc on peut obtenir de l'argent, et avec cet argent, après, on peut développer le restaurant de manière à être de plus en plus efficace. Voilà, qu'on continue, on a servi à nos clients avec des hot dogs, on a du coup du ketchup, du coca encore, hot dog, hamburger, salade également. Voilà, qu'on peut faire burger avec salade en plus. Ah voilà, ils sont servis. Et voilà, donc on a gagné quand même pas mal d'argent là encore. Et du coup, on peut encore développer un peu les choses donc au fur et à mesure. Donc j'espère que ça vous a plu en tout cas. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à vous abonner à la chaîne. Voilà, et puis on se dit à une prochaine. Salut!